des rivières de beurre de cacao à nous faire saliver. À Pâques comme à Noël, difficile de résister à l'appel du chocolat. En moyenne, on en consomme 220 grammes lors du week-end de Pâques. D'accord, en période de crise, on se serre davantage la ceinture, mais quand il s'agit de chocolat, apparemment pas. Dans le chocolat, dans notre pâtisserie, en règle générale, d'année en année, on est en augmentation. Et même, je crois que même en période de crise, les gens ont encore envie de plus se faire plaisir. Et on est sans cesse en progression. Heureusement pour nous, on est toujours, c'est année de malheur, année de confiseur. Et les gens ont besoin de se consoler quand on parle de crise. Le petit achat du chocolat, on se dit, bon, ben, ça nous remonte le moral. Le chocolat, c'est bon pour la santé. Dans cette chocolaterie artisanale, chaque année, les ventes augmentent de 3 à 5%. Particulièrement à Pâques. Rien qu'ici, près de 600 kilos de chocolat seront vendus. La consommation progresse, mais les habitudes, elles, ne changent pas. Alors le produit phare à Pâques, ça reste l'œuf, c'est sûr. Plus tous les petits sujets, mais c'est toujours un achat groupé avec plusieurs choses. Le client, il va y avoir toujours un œuf dans l'achat. Parce que c'est vraiment la tradition, ça représente vraiment Pâques. Les chocolatiers innovent quand même tous les ans pour éveiller les papilles des petits et des grands. À côté de l'indétrônable poule, on trouve aujourd'hui des pingouins, des grenouilles, mais surtout... Et cette année, on a voulu faire un petit clin d'œil au zoo de Beauval avec l'arrivée des pandas. Donc nous aussi, on a fait un petit panda en chocolat. Merci bien. Le chocolat fin reste un produit de luxe, près de 70 € le kilo. Et avec les années, le prix ne cesse de grimper.